Vidya! 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 Le jour s'est levé il y a longtemps. La mère et sa fille le savent-elles? Ou dois-je aller leur dire? Oui, je suis là. On dirait que j'ai encore beaucoup de chance, moi. Toutes les deux, vous comptiez aller quelque part? Où donc est ta fille? Est-ce que tu sais où elle se trouve? Oui, Vidya est partie à la rivière pour prier. La demoiselle est allée prier son Dieu à la rivière, comme si elle avait vu le jour dans un temple. Et qui va s'occuper du travail de la maison? Je t'ai préparé du thé. C'est trop gentil. Je devrais peut-être te remercier. Donne ça! Franchement, cette femme s'arrange toujours pour sa gamine. Alors, qu'elle sort tous les matins? Moi, je me demande si elle va prier ou bien simplement se promener. Attends, Vidya! Vidya, attends-moi, je voudrais te parler, attends! Vidya! À quoi est-ce que tu penses comme ça? Tu ne m'entends même pas quand je t'appelle? Eh bien, je pensais juste à quelqu'un. Mais à qui? C'est une personne sans qui la vie serait bien fade. Je ne connais pas cette personne. Mais si, tout le monde la connaît. Gopi? Ghanshyam? Dis-moi, est-ce que ce ne serait pas Arche? Non, il ne s'agit de personne d'entre eux. Alors qui est-ce? Où habite-t-il? D'où est-ce qu'il vient et de quelle caste est-il? Il n'est de nulle part en fait. Mais en même temps, il est de partout. Il ne vient pas d'une caste, il appartient à toutes les castes. Est-ce que c'est un humain ou un dieu? C'est pas vrai? Vidya! Ne t'en va pas si vite, écoute! Tu parlais du dieu que tu allais prier, et moi... Je n'aime pas être en retard. Et puis tu sais, Dieu accorde toujours plus de pouvoir aux personnes qui sont censées. Je sais bien qu'il n'y a que de la place pour Dieu dans ton cœur. Mais si un jour il se transformait en humain et venait vers toi, tu le reconnaîtrais? Oui. Allez, laisse tomber. Je voulais te dire quelque chose. Voilà, le taco va venir. Et il ne va pas venir tout seul. Son fils sera là pour l'accompagner. Dans le quartier, il y a une rumeur qui court que comme quoi il viendrait chercher une épouse pour son fils. T'imagines? Quoi? Oui, et qui est la plus jolie fille de tout le quartier? C'est bien mon amie, Vidya. La plus dévouée, celle qui vient prier tous les matins, celle qui observe tous les rituels, celle qui pense à Dieu à chaque moment de la journée et de la nuit. C'est bon, arrête. Dès que vous avez appris que le Thakur et son fils allaient venir ici, vous vous êtes tous montés la tête. Ils ont un château ici, ils doivent y aller. Et cette famille est l'une des plus riches de ce pays. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici pour se trouver une femme? Eh bien, et pourquoi pas? Après tout, peut-être qu'ils n'aiment pas les filles de la ville, qui sait? Alors qu'une fille venant d'ici serait plus à même de comprendre leur culture et leurs racines. Même s'ils trouvaient une femme ici, alors elle serait sûrement très riche, avec le même statut qu'eux. Désolée, mais elle ne pourrait pas s'agir de moi. Je vis chez mon oncle et ma tante, je dois leur obéir. Et puis je suis... Vidya. C'est bon, il commence à se faire tard, je dois y aller. Je sais bien que ton grand frère était le gardien du château des Thakur. C'est lui qui les servait quand il venait. Et puis je sais également, étant donné que ton grand frère est maintenant mort, c'est à toi de faire ce travail. Mais bon, alors quoi? Juste pour que tu fasses ce travail, on devrait tous abandonner nos vies? Et puis en plus, si ça se trouve, tous tes ancêtres ont toujours été les gardiens du château des Thakur avant lui. Mais maintenant, c'est à toi de faire ce boulot. Oui, alors? Qui d'autre ici aurait pu faire un travail aussi important? Avant sa mort, j'ai promis à mon frère que je veillerai sur sa famille, sur Vidya, sa mère et ce pour le restant de mes jours. J'en ai fait la promesse. Je ne fais que tenir ma parole. Mais qui ça embête que tu aies fait cette promesse? Et puis c'est toi qui l'as faite. Donc tiens là, mais ne compte pas que quelqu'un vienne te voir pour t'en remercier. Et puis, en ce qui concerne ta chère nièce, elle se considère comme une vraie héroïne, tu sais? Elle se croit précieuse et bien élevée. Mais tous les jours, elle dit qu'elle va aller prier son Dieu. Mais elle traîne les rues, tu ne vas pas me dire que les prières durent aussi longtemps? Mais elle doit être en route. Mais ça fait une demi-heure que tu me dis ça, Kachelia. Je devrais peut-être demander au prêtre à quel moment elle va rentrer. Eh bien, madame est enfin là. C'est une offrande. Prenez-en. Arrête! Je n'en peux plus de ton petit jeu. Tu crois peut-être que tu es une sainte? Va t'occuper de la cuisine.
bien chaleux, ma chérie. Eh bien, tu t'es réveillée très tôt. Dis-moi, est-ce que tout se passe bien, ma chérie? Pousse-toi. Assieds-toi, ma chérie. Assieds-toi. Avec tout ce bruit, tu crois que je peux me reposer? Ne m'en parle pas. Cette mère et sa fille ne font que nous causer des problèmes. Du thé! Vous m'en donnez ou pas? Oui. Ah! Maman! Débile! T'es vraiment stupide! Tu ne m'as pas dit que c'était chaud! Je me suis brûlée avec ce thé, maman! Mais qu'est-ce que vous faites encore planter là, toutes les deux? Allez, préparez le petit déjeuner. Et toi, tu vas recoudre les boutons sur toutes ces chemises-là. Et puis, tu vas pouvoir repasser tous les vêtements quand tu auras fini. Allez! Et tu ferais mieux de bien le faire. Parce que papa doit rencontrer le tacour aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai. Il ne fallait pas le leur dire. Tu ne sais pas que ces gens nous portent la poisse. À ces deux-là, on ne devrait jamais leur dire quand quelque chose de positif nous arrive. Sinon, ça nous porterait malheur. Toi, n'ose même pas projeter ne serait-ce que ton ombre sur le tacour. Je ne veux pas que tu l'approches ni de près ni de loin. Parce que sinon, fille de malheur, tu sais très bien ce qui se passera. Non, je ne vais pas cuisiner. Mais je peux quand même te tenir compagnie, non? Oui. Vraiment. Je n'aurais jamais imaginé que les choses puissent changer autant, après que ton père soit parti. Non, maman. Tu ne dois pas te sentir mal juste à cause d'une aussi petite chose. Combien de temps encore devras-tu mener une existence misérable? Pendant combien de temps continueras-tu à obéir à cette mégère? Personne ne se fait de soucis pour toi ici. Maman, ma tante et mon oncle font ce qu'ils peuvent. Ça ne doit pas être facile pour eux. Est-ce que tu es capable de voir de la méchanceté chez les autres? Et dire que cette maison appartenait à ton père? Et maintenant, nous sommes les propriétaires de ce lieu. Maman, dis-moi quelque chose. Est-ce que toutes les dons pourraient s'occuper à la fois de cette maison et puis du château d'Etacourt? Non, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle notre Dieu a décidé que mon oncle et ma tante allaient devoir nous aider. Et puis en quoi est-ce mal que mon oncle considère cette maison comme la sienne? Ça ne change rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ils ont le droit de considérer que notre maison est la leur. Mais au moins ils pourraient nous rendre nos droits. Parce qu'à cause de ta tante ainsi que de ton oncle, tu es... Je me fais vraiment beaucoup de soucis pour ton mariage. J'aimerais qu'un jour tu puisses te marier. C'est tout. Maman, c'est Dieu qui m'a fait naître dans cette famille. Et jusqu'à présent, il a toujours pris soin de moi, tu le sais bien. Il n'y a que lui qui puisse décider de mon destin. Qu'est-ce qu'il attend alors dans ce cas? Il y a juste un contretemps, mais il ne faut pas perdre espoir. C'est peut-être aujourd'hui qu'il fera un miracle. Le tacour! Maître! Oh, maître! Maître! Cher maître! Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'étais bien trop impatient. Je savais que vous arriviez, je désirais vous voir, c'est pour ça... Tu vois? Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Lui, c'est un vrai lèche-pot. Eh bien, dis donc, on dirait que tu es devenu poète, mon cher Arish. Tu ne t'exprimes plus de la même façon. Mais je ne vois pas vos trois filles, maître. Mon Dieu! Ça fait des années que je ne les ai pas vues, elles doivent avoir changé. Elles doivent être heureuses chez leurs beaux-parents maintenant. Oui, très heureuses. À l'étranger.
Arish, comment se porte ta famille? Emma, Chalou, elles vont bien, n'est-ce pas? Oui, elles vont très bien, maîtresse. Et Emma se porte bien. Oui. Après s'être défoulée sur sa pauvre nièce, elle ne peut qu'aller bien. Chalou est devenue une adulte. Jolie, bien élevée. Oui, et tout le monde dit que toutes les filles devraient ressembler à Chalou, vous savez? Dis-moi, Arish. Oui. Et Koshalia, comment va-t-elle? Quel est le nom de sa fille, déjà? En tout cas, elle doit être une jolie jeune fille. Ouais. Oui, elle a grandi. Maître, je ne vois pas votre cher fils non plus. Énorme. Tous en sortaient. Le Takour, puis son épouse, et puis... Et puis son fils. Il était comme un grand acteur de cinéma. Super, canon. T'aurais vu comment il est sorti de la voiture vidéo. Waouh. Et à quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce que tu l'as vu? Oui, bien sûr. De la veste jusqu'aux pieds, j'ai bien pu le voir. Et son visage? Allez, tu peux me le dire. Non. Je n'ai pas pu le voir. Il portait une grande cape qui le cachait. Il est resté à l'abri des regards. Imagine, le jeune Takour descend comme ceci de la voiture avec grâce, et il sourit. Et tout à coup, comme dans les films de super-héros, il fait voler sa cape et son chapeau. Puis il t'aperçoit et vient vers toi, et il dit « Hé, ma belle, qui es-tu donc ?» Et moi, je serai à côté et je viendrai lui répondre « Cette fille, c'est mon amie Vidya, mais elle ne veut parler qu'à moi et à personne d'autre. » Le jeune Takour se mettrait à sourire et il dirait « Vidya, tu portes un très joli prénom. Est-ce que tu voudrais devenir mon épouse ?» Ah, n'importe quoi, arrête! Pour qu'est-ce que tu t'imagines tout ça? Ce vaurien a donc fini par revenir. Eh bien, qu'y a-t-il? Vous étiez en train de rigoler il y a quelques minutes. Alors pourquoi vous ne parlez plus maintenant? Expliquez-moi de quoi vous parliez et qu'est-ce qui vous a fait rire toutes les deux. Hein? Je voudrais rire, moi aussi. Viens, allons-nous-en. J'aimerais tellement qu'au moins de temps en temps, vous me passiez un coup de fil. Hé, Arch, viens, on va se promener. Je vous jure que je viendrai immédiatement avec vous. Arch, arrête, sinon tu risques de t'en prendre une. Oui, ma belle, tu peux t'en aller. Mais un jour ou l'autre, tu finiras par devenir ma femme, tu le sais bien. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le Takour a dit au prêtre de venir ce soir parce qu'il veut qu'il parle à tout le monde? De quoi veut-il parler? À ça, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas eu le temps de lui demander. Mais ce n'est pas très grave, je dois me rendre au temple ce soir. Je demanderai au pandit, il me le dira. Moi, j'ai le pressentiment que c'est certainement lié au fait que le jeune Takour désire se marier. Maman? Le jeune Takour veut se marier? Oui. Il est allé à Londres pour étudier. Et il est très riche. Écoute, Chalou. Le jeune Takour ne doit pas choisir qui que ce soit d'autre que toi pour se marier. Hé, qu'est-ce que tu veux? Maman? Tu viens de le dire, le jeune Takour ne doit pas choisir une autre fille que moi pour l'épouser. Alors, je pense que Vidya n'est pas d'accord. Elle a dû rêver de se marier un jour et devenir l'épouse du jeune et beau Takour. Eh bien, voilà ce que tu vas faire, ma chérie. Une fois que ton mariage sera prononcé, tu pourras l'emmener avec toi pour qu'elle te serve là-bas. Sa mère restera ici pour s'occuper de la maison et elle ira travailler chez toi. Est-ce que tu m'as entendu? Je t'offre un boulot pour toute ta vie, tu n'es pas heureuse? Bien, elle ne comprend rien. Nom de Dieu, tu ne peux pas faire attention, hein? Tu es si débile que ça, que tu ne peux même pas porter quelques affaires? Tu as fait de nos vies un véritable enfer. Tu ne le vois pas, Vidya? Ça suffit. Va-t'en. Va-t'en laver tous les vêtements de Charles tout de suite. Non, c'est pas par là.
C'est-à-dire aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Maintenant! Dépêche-toi! Attention, jeune maître! Faites attention! N'allez pas plus loin! Vous allez perdre pied, monsieur! Jeune maître? Viens! Regarde, le prêtre est là, il va nous dire quelque chose de très important! Allez! Puis tiens! Maman! Tu sais, j'ai entendu du bruit, alors je suis venue. Mais si ma tante me voit ici, alors je suis certaine qu'elle sera en colère. Ta tante t'a interdit d'aller chez les Takur, mais tu peux aller au temple. Et puis, on est lundi soir. As-tu déjà raté une seule fois cette prière? Non, n'est-ce pas? Viens. Non, maman. Je vais rester ici, cachée dans le fond, derrière tout le monde. Ainsi, je pourrai plus vite m'en aller quand la prière sera finie. Il y a le prêtre. Tu pries très bien, mon enfant. Rien ne peut te déranger dans ta prière. Asseyez-vous. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elles font là? Je suis ici pour vous livrer un message. Le maître m'a confié une très lourde tâche. Il s'est tourné vers moi pour vous parler, car il aimerait bien trouver une épouse à son fils. Comme vous le savez tous, cet homme est à la tête d'une immense fortune, et donc il aimerait trouver une fille qui soit bien élevée. Évidemment, il ne peut pas se permettre de rencontrer chacune des jeunes filles en personne. C'est une tâche qu'il m'a confiée, donc c'est à moi de m'en occuper. Je vous considère tous comme des membres de ma famille. Par conséquent, pour celles qui seraient éventuellement intéressées, veuillez vous lever et décliner votre identité, s'il vous plaît. Pandidji! Il y a ma fille Chalou. Et puis en plus, le Takur connaît déjà très bien ma petite fille. C'est chez lui qu'elle a fait ses premiers pas. Et il y a ma fille Manjula. Le Takur la connaît aussi depuis qu'elle est toute petite. Ah oui, à moi aussi. C'est la fille à la peau foncée. Il y a ma fille Vaishali. Elle ne s'était pas enfuie avec un de ses amants? Tais-toi, Emma, ça suffit. Tu dois confondre avec ta fille. Non, ma fille ne va pas s'enfuir. Figure-toi que c'est elle qui l'épousera. Attends, tu verras. Quelqu'un d'autre? Je peux encore inscrire des noms. Il n'est pas encore trop tard. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez ça, Pandidji. Il n'y a plus personne. Si, il y a encore un nom à noter. Celui de ma fille Vidya. Maman? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a aucune raison que tu passes toute ta vie à servir les autres. Et peut-être qu'un jour, je regretterai ce choix. Mais tant pis. Je refuse de laisser passer une aussi belle occasion qui pourrait améliorer ta vie. Attendez, je vais m'occuper de son cas. Cher
Deji. Viens là, Vidya. Approche. N'arrête pas de prétendre que tu es pieuse. Tout le monde ici présent sait bien à quel point tu veux servir ton Dieu. Donc j'aimerais bien qu'en un jour aussi formel, tu puisses devant tout le monde nous lire un petit passage du livre sacré. Eh bien vas-y, va donc prendre un livre et nous lire un chapitre, nous t'attendons. Emma ! Non, Karchalia, ne me coupe pas. Après tout, il est question ici du mariage du fils du Thakur. Et le Thakur a donné à notre prêtre une très lourde tâche qui ne doit pas être très facile à gérer. Vidya, vas-y, va chercher le livre à Mayan et lis-nous donc un petit passage. Mais que se passe-t-il? Attendez encore un peu et vous allez vite comprendre. Vas-y, Vidya. Vas-y. Mais regardez-moi ça. L'amour excessif d'une mère peut vraiment la rendre aveugle. Pour pouvoir espérer que sa fille soi-disant si parfaite puisse un jour épouser le fils d'un Thakur et aller vivre avec lui. Et regardez donc cette fille. Je lui avais demandé de me ramener le livre à Mayan et elle ne m'a pas ramené le bon. Cette fille ne sait pas lire, elle est illettrée. Je ne sais vraiment pas ce que ses parents avaient en tête le jour où elle est née. Vidya n'est pas si parfaite que ça. Alors dites-moi, est-ce qu'une fille qui ne sait même pas lire pourrait épouser le fils d'un Thakur? Est-ce que la famille d'un Thakur pourrait s'embarrasser avec une belle fille dans ce genre-là, dites-moi? Bien sûr que non. Le fils du Thakur mérite mieux. Une aussi bonne famille, avec une fille pareille? Non, bien sûr. Son nom ne devrait pas figurer sur la liste. Elle ne sait pas lire. Viens là que je te donne une bonne leçon. M'attends. Tu oses intervenir dans le temps de devoir laisser ta honte, hein? Tu sais d'être aussi bien que nous, hein? Arrête, tu ne nous arrives même pas à la cheville. Non, mais regardez un peu cette insolente. Elle vient autant se montrer devant tout le monde. Mais quelle honte! Emma, pourquoi est-ce que tu t'en prends à elle? Elle n'a rien fait de mal. C'était de ma faute, pas de la sienne. Oui, en effet. C'est vrai que Vidya n'a rien fait de mal. Tout ce qui s'est passé, c'était de ta faute. Attends. Non, maman. Est-ce que tu vois ceci? Maman? Ça ne sert à rien de lui montrer ce bâton, non? Frappe-la, elle comprendra mieux. Non, maman! Je vous jure que je ne m'approcherai jamais du château des Thakur! Laisse-moi! Maman, s'il vous plaît, laissez-la! Je vous jure que je ne m'approcherai jamais des Thakur! Je vous en supplie! Ma tante, je vous en supplie, ma tante, ne vous en prenez pas à ma maman. Je vous promets que plus jamais une telle chose ne se reproduira. Très bien. J'accepte de ne pas m'en prendre à ta mère aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis contentée de ton bras. Méfie-toi. Si tu recommences, ça sera pire. Je te le promets. Va-t'en. Oh non. Allez. Dégage. Non.
quand tu t'étais mise en tête de marier ta fille dans la famille des Takur? Dis-moi, comment est-ce que tu as fait au juste pour ne serait-ce que rêver que tu y parviendrais? Et rappelle-toi bien que ta seule lettrée de fille est devenue la servante de notre famille. C'était comme si elle était mariée à notre famille, elle est devenue notre belle-fille. Vidya nous appartient, alors tu peux continuer de rêver, oui, mais ça ne changera plus rien. Ma fille, je suis désolée. Tout ceci est arrivé par ma faute. Mais je m'étais dit que je pourrais faire quelque chose pour améliorer ta vie. Je m'étais dit que je pourrais faire en sorte que ton destin s'améliore. Mais je t'assure que je ne pensais pas que ta tante oserait t'humilier. Je ne pensais pas qu'on se moquerait de toi en public. Maman, calme-toi. Il ne m'est rien arrivé de mal. Rien de ce qui s'est passé ne m'a blessée. Je t'assure, tu peux me croire. Rien de mal ne m'est arrivé. Laisse-moi voir. Vidya, à quoi tu pensais? Qu'en me cachant tes blessures, je ne comprendrais pas toute la douleur que tu dois ressentir? Ma fille, non, tu t'es trompée. Parce qu'à chaque fois qu'on te fait mal, ça me touche aussi. Voici la liste de tous les prénoms. Jetez un coup d'œil. La liste? Oui. Monsieur m'a demandé de trouver une femme qui voudrait épouser votre cher fils Sagar. J'ai donc immédiatement réuni tous les gens du village. Pour l'expliquer à tout le monde, j'ai indiqué que tous les intéressés pouvaient inscrire le nom de leur fille sur cette liste. Vous avez fait un excellent travail. J'aimerais rencontrer chacune de ces jeunes filles demain. Chalou, Rajeshwari, la jeune Nisha, Supriya, oh. C'est drôle, je connais déjà très bien ces jeunes filles, mais je les ai vues quand elles étaient enfants. Mais qui est noté à la fin de la liste? On dirait que son nom a été barré. Qui est cette fille? Cette fille ne conviendrait pas à votre famille, madame. Qu'elle nous convienne ou qu'elle ne nous convienne pas, seul Dieu le sait. Et mis à part lui, personne ne devrait se mêler de cette alliance. Ça le regarde, c'est Dieu qui s'occupe des mariages. Et puis, actuellement, je ne désire simplement qu'une seule chose. C'est que mon fils Sagar puisse rencontrer une jeune fille attentionnée. Ça finira par arriver. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Si une personne est faite pour lui, alors Dieu finira toujours par trouver un moyen pour qu'elle se présente devant nous. Et il le rendra évident. Vidya? Maman? Vidya, je ne suis... Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ma tête tourne. Je me sens... Maman, attends-moi là un instant. Attends. Je vais appeler ma tante. Non. Attends-moi ici. Vidya, d'accord, ça va aller. Ma tante! Ma tante, vous devez nous ouvrir la porte. Ma tante! Chalou! Chalou! Chala, chalala. Chalala, chalala. Chalou, écoute, ma mère ne se sent pas bien du tout, aide-nous! Il faut que tu viennes nous ouvrir la porte! Vidya! Vidya! Ma mère a besoin de médicaments tout de suite, Chalou! Chalou, y a-t-il quelqu'un? Ma tante! S'il vous plaît, venez nous ouvrir la Qu'est-ce porte! Qu'est-ce qu'elle a encore à hurler, celle-là? Ma tante, ouvrez la continue, porte! Continue! Continue de crier, tes amis! Ma
Vidya! Vidya, mais qu'est-ce que tu fais? Vidya! Maman, peu importe ce qui m'arrive. Mais si à toi est arrivé quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais, tu comprends? Je vais vite revenir, maman. Vous, on peut dire que vous êtes chanceuse. La pharmacie est fermée, mais j'ai les médicaments qu'il vous faut. Mais il pleut à grosses gouttes et vous n'avez pas de parapluie? Dépêchez-vous de rentrer. Très bien, merci beaucoup. On dirait que ce à quoi je rêve depuis des années est enfin arrivé ce soir. Hein, tu es venue me voir, ma belle ? Hein ? Vas-y, réponds-moi ! Je t'en prie, Arch, ma belle est très malade. Je dois lui donner ses médicaments. Donc si tu es sortie, c'était pour lui en acheter. Ce n'était pas pour me voir. Non. Oh non, Vidya, tu viens de me briser mon petit cœur, tu sais. Tu dois me laisser m'en aller, parce que ma mère est vraiment très malade. Bien sûr, Vidya. Mais à chaque fois que je te vois, tu me dis que ta mère, elle est malade. Je ne vois pas en quoi, c'est nouveau, pas vrai? Regarde-moi ce temps. Dehors, sous la pluie, c'est très romantique. Viens, monte avec moi dans ma voiture. Et alors, je te promets que je t'emmènerai faire tout le tour de ce village cette nuit. Viens. Non, je ne peux vraiment rentrer chez moi. Ma mère est toute seule et elle est malade. Elle a besoin que j'aille m'occuper d'elle. Regardez, cette pauvre Vidya qui pleurniche pour trois fois rien. Si sa tante se met à l'engueuler, elle se met tout de suite à chialer. Chalou va se moquer d'elle et elle se mettra encore à pleurer, pas vrai? Cette famille t'en fait vraiment voir de toutes les couleurs, hein. Mais moi, je ne suis pas du tout comme ça, Vidya. Écoute, Vidya, est-ce que tu veux vraiment t'en aller? Eh bien, vas-y, va-t'en. Allez, vas-y! Mais avant de t'en aller, écoute bien ce que je vais te dire, d'accord? J'aimerais que tu transmettes un petit message à ta maman. Il y a une très bonne nouvelle et elle sera très contente. C'est une excellente nouvelle, ne t'inquiète pas. Tu peux aller dire à ta chère petite maman, Vidya, qu'après tout ce temps, sa fille chérie s'est finalement décidée à se marier. À moi, à moi. Réponds. Est-ce que tu as l'intention de m'épouser ou pas? Hein? T'en dis quoi? On serait heureux, non? Vidya, est-ce que tu veux devenir ma femme, oui ou merde? Oui. Mais voilà, elle a dit oui. Vous avez tous entendu, elle a dit oui. Allez, rendez-le lui. Allez, c'est bon, ça suffit. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne veux pas qu'on se rapproche, toi et moi. Je ne comprends pas. Hein? Combien de fois t'ai-je dit que tout ce cirque ne rimerait à rien du tout? Tu sais que je suis plus rapide que toi, alors pourquoi courir? Attends, chauffeur, arrête le camion, arrête-toi. Fais une marche arrière et recule encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu me reconnais? Je m'appelle Chin Mei. Mais les gens m'appellent souvent Chinu. Et je suis le neveu de l'Atakurain. Si je me retrouve dans ce camion-là, c'est parce que je n'avais pas la voiture avec moi. Pourquoi est-ce que t'as l'air effrayé? Monte dans le camion. Allez, allez, dépêche-toi. Monte dans le camion. Allez, fais attention, ne te blesse pas. Assieds-toi. Ah. On dirait que la petite souris a encore une fois échappé au gros matou. Tu conduis. Ah. Ah. Ah.
Mon adorable Vidya. Personne ne parle au château. Le maître et sa femme ont l'air très perturbés. Oui, c'est normal, leur fils a atteint l'âge de se marier. Pourtant, ils n'ont toujours pas trouvé une femme qui pourrait lui correspondre. Tiens, explique-moi donc une chose. Est-ce que le Thakur a bien mangé les légumes? Oui, et il les a adorés. C'est vrai? Il t'a complimenté. Vraiment? Et tu lui as dit que c'était, Chalou qui les avait cuisinés pour lui? Non, désolé, je ne lui ai pas dit, j'ai oublié. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, tu viens de gâcher tout mon plan. Tu ne pouvais pas faire un effort, non? Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé quand le prêtre est venu lui donner la liste des jeunes filles pour le mariage? Je ne pense pas qu'il ait déjà pris de décision pour le mariage. Bien, donc ça signifie que nous avons encore un peu de temps. Donc il va falloir qu'on utilise ce temps à notre avantage, d'accord? Écoute, dès que t'en auras l'occasion, tu devras parler au Thakur de notre petite fille Chalou et vanter ses mérites. Ma Chalou est capable de faire ci, ma Chalou est capable de faire ça. Chalou serait capable de cuisiner pour 20 personnes si on lui demandait. Oui, écoute-moi. Petit à petit, va falloir qu'on s'incruste un peu plus. Chacun de nos gestes doit faire en sorte que Chalou se rapproche un peu plus de ce château et de l'héritier. D'accord. Maman, est-ce que je peux aller au cinéma avec mes amis? Écoute, Chalou, si tu devais aller quelque part, ma fille, ça serait au château d'Etacourt et nulle part ailleurs, compris? On ne sait pas quand le fils d'Etacourt te verra et tombera sous ton charme. Oui, elle a raison. Et pourquoi tu continues à t'empiffrer comme ça toute la journée? Il va falloir que tu perdes quelques kilos avant d'aller vivre dans ce château. Je ne dois plus rien manger? Regarde-moi, maman. Je suis toute maigrichonne. Ma pauvre chérie. Mais bientôt, on t'appellera la Takuraïne, tu sais. Tu pourras faire tout ce que tu veux alors. Et on ne t'interdira rien. Bon, tu dois bien te rappeler une chose. Vidya ne doit sous aucun prétexte se montrer devant le Thakur, devant sa femme ou même son fils. Il faut l'en empêcher. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que cette Vidya t'inquiète tant? Mon Dieu, c'est pas vrai. Tu ne comprends vraiment rien, toi. Harish, sache que tant que ma Chalou ne sera pas mariée, je me méfierai de toutes les jeunes filles du village. Quand j'étais petit et que je rencontrais quelqu'un qui ne parlait pas du tout, alors je jouais toujours à un petit jeu. Ça te dit? Quel est ce jeu? C'est facile, je vais te poser une question et tu dois y répondre en faisant qu'une réplique, pas plus. Question numéro 1. Le but de la vie. L'amour. Bien. La plus belle des valeurs. La confiance. Ton souvenir le plus doux. Le sourire de ma mère. Le rêve que t'aimerais le plus accomplir. La fierté de ma mère. Eh bien, tu n'as pas de rêve qui te concerne, toi? Où est-ce que tu habites? Juste derrière le château, tout près du temple. Vraiment? Alors on va se voir souvent? Je vais au château. Tu as déjà vu mon oncle et ma tante? Eh bien, j'ai déjà vu le Thakur et sa femme, mais bon, ça remonte à quelques années. Et l'autre jour, alors que j'étais dans la rivière, j'ai rencontré le fils du Thakur. T'as vu son fils? Est-ce que tu lui as parlé? Je l'ai simplement vu nager, il ne m'a rien dit. On n'a pas eu le temps de parler. J'ai dû m'en aller pour rentrer à la maison. Oui, tu sais, mon cousin a toujours aimé l'eau. On peut dire tout ce qu'on veut sur lui. Pourtant, c'est vraiment un bon gars. Que dit-on sur ton cousin exactement? Non, rien. Tu dois le savoir, n'est-ce pas? Les gens aiment colporter des ragots. Ils parlent sur le dos des gens. L'autre jour, quand je l'ai vu nager, je me suis tout de suite dit qu'il avait un sourire très pur et très innocent. J'ai eu l'impression d'avoir là, en face de moi, quelqu'un avec une âme d'enfant. Mais, arrêtez le camion! C'est ici que j'habite! Hé, s'il te plaît, arrête ton camion maintenant! Arrête, c'est bon! Arrête! Je te remercie. Fais attention. Tu peux au moins me dire comment tu t'appelles? Maman?
est-ce que tu étais? Alors même en pleine nuit, tu vas courir les rues maintenant? Dis-moi, où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as perdu ta langue? Réponds! Où est-ce que t'es allée au beau milieu de la nuit? Emma, qu'est-ce que tu insinues? Si elle est partie, c'était pour mes médicaments. Et comme tu avais fermé la porte à clé, elle est sortie par la fenêtre. Tais-toi, Karchelia. Il me semble que ce n'est pas à toi que je parle. Réponds-moi. Je ne t'avais pas spécifié que tu devais rester ici et ne pas t'en aller? Tu as osé me désobéir? Hé, où sont les médicaments? Tu n'as pas dit que tu allais en acheter? Vidya, montre-leur vite le flacon de médicaments. Et ils sauront que tu ne mens pas et que tu leur as dit la vérité. Vidya, qu'est-ce que tu as? Explique-moi! Dis-moi ce qui s'est passé! Ça suffit, j'en ai ras-le-bol, moi, de votre comédie à toutes les deux. Arrêtez ça! Toi, sors d'ici! Allez, on sort! Emma, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, Matan, j'ai commis une grave erreur. Je vous en prie, pardonnez-moi. Comment est-ce que tu as osé me mentir et me désobéir, sale gamine? Allez, va-t'en d'ici! Matan! Venez, tout le monde, venez voir! Venez ici, venez! Regardez donc cette traînée! Est-ce qu'une autre fille dans ce village lui ressemble? Dites-moi! Je me demande d'où elle revient. Dans cet état-là, et ce, au beau milieu de la nuit, c'est quand même étrange! Emma, qu'est-ce que tu dis? Non, toi, reste là! Aujourd'hui, ne te mets pas entre ta fille et moi. Parce que sinon... Ma tante, je vous en prie, il faut que vous me croyez. Je suis sortie pour acheter des médicaments. Elle a écrit le nom de sa fille sur la liste du prêtre comme prétendante pour le mariage du fils du Takur. Et elle, elle ose quand même rentrer chez elle à cette heure-ci, en ne faisant aucun bruit en plus, comme une voleuse, c'est scandaleux! Ma tante, je vous en supplie, il faut que vous me croyez. Je suis juste allée acheter des médicaments. Ce soir, je vais prendre une bonne décision une fois pour toutes. Ça suffit! Arrêtez maintenant. Emma, vous voulez savoir où est-ce que Vidya était passée cette nuit, c'est ça? Je vais vous le dire. Vidya avait rendez-vous avec moi, c'est tout.